Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors petite information avant de vous présenter le glitch, il y a une technique qui vous permet de dépasser, de n'avoir aucune limite d'XP en mode créatif. Donc cette technique, le lien est en description, en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo avant de commencer ce glitch parce que vous allez pouvoir augmenter vos XP incroyablement. Donc voilà, alors pour le glitch, le code de la map est affiché en haut de l'écran pour actuellement, pour l'instant. Mais de toute façon, je le mettrai en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc quand vous êtes dans la map, vous pouvez soutenir un créateur. Donc si vous voulez me soutenir, appuyez sur le bouton soutenir un créateur et ensuite écrivez le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le font. Alors ensuite, on va lancer le jeu. Quand vous avez noté le code, vous appuyez sur option menu et vous lancez le jeu. Là, vous attendez que le jeu se lance. Donc voilà. Ça prend un peu de temps. Ok, c'est bon. Donc quand le jeu est lancé, ce que vous allez faire, c'est vous diriger par ici. Ensuite, vous courez et vous allez dans la safe zone. Et là, dans la safe zone, vous allez pouvoir ramasser des pièces. Donc les pièces que vous allez ramasser va vous donner des XP. Regardez, je suis à 39 600 restants XP. Donc hop, voilà, ça m'a donné 27 XP, c'est pas énorme, mais il faut savoir que je suis en XP limité. Donc vous, normalement, vous allez pouvoir prendre 300 XP par pièce ramassée, voire même 800. La vidéo que j'ai vue, le mec, il se prend 800 XP par pièce ramassée. Moi, j'ai fait énormément de glitch ces derniers temps, donc je suis en XP limité. Alors, quand vous avez récupéré les pièces qui sont au milieu, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre ici, Hilt Regen for Team, et vous appuyez sur carré. Là, ça va vous donner des XP encore. Donc là, moi, j'ai pris 900 XP. Vous, vous allez pouvoir prendre 35 000 XP. Donc voilà, moi, je suis en XP limité parce que j'ai trop exagéré sur les glitches. Mais vous allez pouvoir prendre 35 000, voire 40 000 XP parce que la personne qui le fait prend énormément d'XP. Donc voilà, quand vous avez terminé le glitch, soit vous attendez que les pièces réapparaissent et vous le faites en illimité, ou soit vous faites retour à l'accueil et vous relancez le jeu pour refaire le glitch en illimité. Ou alors vous utilisez ma technique que je vous ai présentée en description, en commentaire épinglé, qui va vous permettre de dépasser la limite d'XP journalière en mode créatif. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace. Yummy, 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 bruh. Yummy, bruh.